tout près d'un combat de championnat du monde, Éric Bazignan met tous les efforts nécessaires à l'entraînement, tout en demeurant un vrai gentleman. En 2011, Éric Bazignan quitte son pays natal, l'Arménie, dans le but d'obtenir de meilleures conditions de vie pour sa famille. You're like a ghost. You're haunting me. Just like a ghost. You're haunting me. De venir au Canada, c'était plus pour vivre avec, avec ma famille. Pour, mes parents, ils ont pris la décision pour moi et mon frère, pour notre futur. Par où on a passé les derniers mois, c'était un war avec l'Azerbaïdjan. On avait plus que 5000 soldiers qui sont décédés. C'était trop compliqué pour nous, trop very sad pour nous. Parce qu'ici, il y a beaucoup de bons futurs pour les enfants, pour les gens. Oui, je ne veux pas que mon fils il fait la boxe. Tout le monde il donne toujours cette question-là. Voir de lui battre dans le ring ou prendre un coup, j'ai capote quand je juste pense sur ça. Des gens en Arménie qui me supportent, c'est très important pour ici, les gens ils me supportent aussi parce que j'habite ici. Parce que quand je vais battre des gros combats aux États-Unis ou je sais pas où pour le championnat du monde, je vais dire que je viens de deux pays, je me sens plus fort sur ça. Il y a beaucoup de jeunes devant moi. C'est avec l'intention de donner l'exemple aux nouvelles générations que Bazignan poursuit sa route vers le titre mondial des super moyens. Adversaire, j'ai vu quelques rounds, il a comme 5 ans de combat, j'ai hâte pour battre bientôt. Je suis en shape exceptionnelle, c'est moi qui va gagner. C'est très important pour moi de l'amener ceinture de champion du monde ici à Québec et en Arménie, maximum l'année prochaine.